Bonjour à tous, je suis Régis Ngago-Dabo, je suis ingénieur en communication et tout ce qui est multimédia et audiovisuel, journaliste réalisateur d'images. Donc je suis basé ici au Maroc et je remercie Monsieur le Président, Monsieur Mathieu Kadiona, président de l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir dans cette session de formation tant bien important pour la jeunesse africaine, la jeunesse de Casamance, de Ziguinchor, qui est ma région natale. Je remercie aussi Monsieur Bruno Djiba. Donc, qui est un excellent formateur et consultant. Donc, moi aussi, je suis formateur dans tout ce qui est soft skills, prise de parole en public, communication, etc. Donc, je suis consultant junior. Et là, ce que je fais actuellement, c'est pouvoir parler avec vous, discuter avec vous sur tout ce qui est difficulté de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, je suis initiateur du projet de la plateforme de vente de fruits et légumes en ligne, Leketuya Mari, et aussi de l'application Idjoko. Donc, je suis cofondateur de cette application avec mon épouse. Donc, il y a une application de compte et de comptine pour enfants de la tranche d'âge de 7 à 14 ans. Donc, actuellement, ce que je peux dire par rapport aux réalités de l'entrepreneuriat, donc, d'aucuns pensent que l'entrepreneuriat, on peut entreprendre dans toute forme que ce soit. Donc, moi, je vais intervenir sur trois axes, tout simplement. Donc, le premier axe dans lequel je vais intervenir, voilà, donc je vais intervenir sur trois axes sur les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, le premier axe, comme je disais, d'aucuns pensent que l'entrepreneuriat, c'est se lancer tout bonnement, c'est se lancer tout simplement, que l'entrepreneuriat, contrairement au salariat, on est beaucoup plus libre quand on entreprend, on travaille à sa guise, on peut se réveiller à midi, on peut se coucher à 2 heures du matin et puis être productif par rapport au projet que l'on porte. Donc vous êtes aujourd'hui salarié. Et vous percevez votre salaire, votre travail ne vous dit plus rien, et vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Attention, il faut prendre en compte une chose qui est très très importante. Sachez que quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez une brillante idée que vous décidez de démarrer. Quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, sachez que vous allez passer beaucoup plus de temps à travailler que quand vous êtes salarié. Ce n'est pas pour vous faire peur. Au contraire, c'est quelque chose, c'est un projet que vous portez. Vous devez de donner du temps à ce projet-là. C'est votre bébé. Vous devez de lui donner du temps. Vous devez laisser et travailler sur votre projet pour lui permettre de grandir. Vous allez passer la nuit à réfléchir sur votre projet, à travailler sur votre projet, des journées entières à travailler sur votre projet, contrairement à un salarié, par exemple, qui a des heures, il commence à 8 heures et finit à 17 heures, ou il commence à 9 heures et finit peut-être à 18 heures. Donc, c'est le fait de sortir de cette zone de confort-là, donc et vous vous lancez dans un projet. Donc, ça, pour que vous puissiez développer votre projet plus tôt, il faut que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment à fond dans votre projet, que vous lui donnez du temps. C'est pourquoi il y a certains incubateurs, quand ils vous aident dans votre projet, quand ils vous accompagnent dans votre projet, si par exemple c'est un projet que vous faites parallèlement en étant salarié, ils vous disent de quitter votre poste pour pouvoir donner du temps à votre projet. Parce que les personnes qui ont réussi à vous embaucher, qui ont réussi à mettre en place des choses comme ça, donc ce ne sont pas des sorciers, c'est des personnes qui ont pris du risque et un risque mesuré pour pouvoir développer quelque chose qui vous permette aujourd'hui d'être salarié dans cette entreprise et de pouvoir le dupliquer. L'entrepreneuriat, tout simplement, entreprendre ou bien commencer un projet, répond à un problématique de société. Répond à une problématique de société. Et vous savez que résoudre un problème, ce n'est pas chose facile.
Donc, si c'était chose facile, résoudre un problème, donc il n'y aurait pas de difficultés dans votre vie quotidienne. Donc, la deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir, donc, c'est que les difficultés au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que ça prend du temps. Donc, je vous donne un exemple simple. Vous ne pouvez pas planter un arbre. Vous l'arrosez aujourd'hui, l'arbre pousse aujourd'hui et demain que cet arbre donne du fruit. C'est impossible. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un projet, vous entreprenez quelque chose, il faut du sacrifice, il faut de l'endurance, il faut du courage, il faut de la ténacité, il faut vraiment de la passion et et du courage, je réitère encore ce mot, je voulais dire, excusez-moi le terme, du culot pour que vous puissiez arriver à faire ce que vous voulez faire. Justement, ça prend du temps, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour que vous puissiez réaliser quelque chose. Vous pouvez prendre, par exemple, d'autres projets qui vous permettent de gagner de l'argent un peu plus vite. Donc, c'est des projets, par exemple, comme les ventes en ligne, etc., qui vous permettent. Mais dans la stratégie, il faut être très méticuleux, très concentré et toujours en veille concurrentielle parce que vous avez des concurrences qui naissent tous les jours et qui peuvent faire que votre chiffre d'affaires baisse de jour en jour. Voilà, donc vous savez que la concurrence est énorme. Donc quand vous allez sur Internet, vous voyez tellement d'initiatives, tellement de choses. Comment aujourd'hui se positionner et être crédible sur le marché? Donc vous ne pouvez pas prendre toute la part du marché. D'accord? Donc quand vous démarrez, démarrez petit et grandissez. Donc un de mes mentors disait, Monsieur Alun Gay, que je respecte beaucoup, donc qui est l'initiateur de Hub Africa, la plus grande plateforme d'entrepreneurs et d'investisseurs en Afrique. Donc il disait que quand vous êtes dans le milieu entrepreneurial, ne travaillez pas en négosystème, travaillez en écosystème, c'est-à-dire faites-vous un réseau. Moi, je sais faire ceci, Abdoulaye sait faire cela. Patrick sait faire ceci, on unit nos forces et on développe quelque chose. Le monde d'aujourd'hui demande ça. Et développons plutôt des projets et des choses qui sont adéquates à notre culture pour répondre à une problématique de notre environnement immédiat, de notre société, de notre pays et de notre continent. Voilà, donc sur ce, moi je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous sur le prochain point, donc que nous allons voir demain vendredi, donc qui est la prise de parole en public, parce que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des leaders, vous êtes en formation, vous êtes des étudiants, vous avez besoin de cet outil pour pouvoir défendre votre projet, pour pouvoir défendre votre projet de fin d'études, pour pouvoir vendre votre projet, vendre votre image pour ceux qui voudront plutôt aussi être salarié, etc., dans un entretien d'embauche. Voilà, Régis vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée.